WordPress, les derniers articles. Le bloc des derniers articles va permettre d'afficher la liste des 2, 3, 4 derniers articles qui ont été publiés récemment. Donc pour afficher ces derniers articles, j'aimerais peut-être le rajouter dans la première colonne, puisque cette première colonne gauche, elle est bien pauvre. Il y a le bloc des archives qui regroupe les anciens archives, mais je voudrais mettre en avant un petit peu les deux derniers articles publiés. Donc j'aimerais même les mettre au-dessus du bloc archives. Comme ça, on voit les deux derniers articles. Et puis si on veut en voir d'autres, on ouvre la liste déroulante et puis on choisit la semaine où ils ont été publiés. Pour faire cela, on bascule sur le back-office. On commence à avoir l'habitude. On va dans le footer. D'ailleurs, j'y suis encore, mais si on n'y était pas, je reviens vraiment au menu principal qui est là. Je retourne dans Apparence, Éditeur. Puis, je clique sur l'espace de travail central pour pouvoir, dans le panneau de commande qui va apparaître ici en haut, pouvoir taper Footer pour dire que je veux mettre à jour le pied de page. Donc, je clique dessus. Et là, je suis sur le pied de page, j'ai mon bloc archive et je vais donc rajouter un petit bloc au-dessus ou en dessous en cliquant sur le plus qui va s'appeler dernier article. Voilà, donc là, j'ai derniers articles. Alors, par défaut, il y en a 3, ils s'affichent en dessous. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche sur le haut qui va me permettre de dire non, ce bloc, je le veux au-dessus. Hop, voilà, donc j'ai mes 3 articles et puis le bloc archive. Et dans le panneau réglage à l'extrême droite, je vais pouvoir affiner un petit peu ce que je veux. Donc je rappelle que si on n'a pas ce panneau de réglage, on va appuyer sur ce bouton réglage qui le fait apparaître ou disparaître. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je peux afficher le contenu de la publication. Ça fait un peu beaucoup. Je n'ai peut-être pas envie d'afficher les textes. Mais je veux bien afficher le nom de l'auteur. Ça va donc faire ressortir mon nom et mon prénom. Ensuite, j'aimerais aussi afficher la date de publication pour indiquer que c'est quand même assez récent. Et puis au niveau des images mises en avant, on va essayer de les afficher. On va voir si elles ne sont pas trop grosses. Bon, elles sont énormes, donc ça ne fait peut-être pas très très joli. Du coup, je vais peut-être les masquer, sauf si je peux les aligner à gauche. Non, ils sont déjà alignés à gauche. Je ne peux pas en fait les mettre mieux que ça. Ils sont déjà en miniature, donc je vais me dispenser de l'image mise en avant qui ne va pas être très jolie dans un pied de page. Il faut quand même essayer de garder une taille du pied de page qui est relativement petite. Dernier point, je vais peut-être demander de visualiser un peu moins de choses, c'est-à-dire que je ne veux pas voir les cinq derniers articles. Là, il y en avait 4 puisque je n'en ai publié que 4, mais je veux juste en voir 2. Voilà, donc j'aurai juste mes 2 derniers articles et c'est tout ce que je veux faire ici. Donc je vais enregistrer, on va quand même regarder ce que cela donne hein, au niveau du résultat. Je rebascule donc en mode visiteur anonyme, j'actualise et en actualisant, donc on voit effectivement les 2 blocs qui sont là, le texte archive qui est là, ça c'est un petit bug, il faut que je vois à quoi c'est dû, donc on va regarder tout de suite. Ce bloc archive pourtant apparaît bien en dessous. Je vais essayer de mettre un petit bloc séparateur entre les deux. Ou espacement plutôt. Mettre un petit bloc espacement de quelques pixels, hein, parce que le but c'est juste d'espacer un peu et on va voir si ils apparaissent correctement. Alors ça apparaît toujours à côté. Donc cela signifie que ce mot archive, en fait, il n'y a pas trop la possibilité d'augmenter. On va essayer de passer à 3 articles pour voir ce que cela donne. On va basculer sur 3 articles. Ça se retrouve ici. Et on descend et on va indiquer 3 articles. Voir ce que ça donne en enregistrant et en affichant. On actualise.
Voilà, bah ça fait mieux avec trois articles. Deux articles, il me mettait ce petit bloc archive. Donc là, il y a un petit bug, je ne l'identifie pas. Ce n'est pas grave, on va rester avec nos trois derniers articles et puis le bloc archive en dessous qui me permettra de voir l'ensemble des articles publiés telle ou telle semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.